LaCarteMusique.fr présente l'ampli-casque pour guitare électrique Vox Amplug 2 version AC30. C'est la deuxième version du mini préampli guitare électrique. C'est un ampli-casque très léger de petite dimension qui fonctionne avec deux piles AAA. Il y a de nouvelles fonctions, comme la fonction coupure au bout d'une demi-heure si aucun bouton n'est touché. Le connecteur jack a un angle réglable pour s'adapter à toutes les guitares et ainsi garder un angle de vue sur les réglages. Le commutateur on-off possède à présent une LED verte et il permet aussi d'avoir la fonction de changement de mode, comme rajouter un trémolo en effet minimum ou maximum, effet indissociable de l'ampli AC30. Une prise auxiliaire audio est toujours présente pour des sources audio externes, dont le volume se règle uniquement sur cette source. Trois molettes sont présentes, le gain, la tonalité et le volume. Une nouvelle fonction se présente avec un bouton FX qui permet de changer alternativement les effets chorus, délai, reverb ou le son sec. Et trois variations seront disponibles pour chaque effet en combinant les boutons on-off et FX. Un nombre de bips vous indiquera la variation produite. La prise phone est évidemment indiquée pour l'utilisation d'un casque, mais aussi d'enceinte, de console de mixage ou d'enregistreur. Le Vox Amplug 2 version AC30 sera votre allié en toutes circonstances et en tout lieu. Nous allons vous faire écouter quelques sonorités générées par le Amplug 2 AC30. Commençons avec un son sec, c'est-à-dire sans effet, la tonalité réglée sur 6 et le gain réglé sur 1. Toujours un son sec, la tonalité sur 6 et le gain sur 3. Aucun changement si ce n'est le gain à présent sur 5. Même tonalité, le gain réglé sur 7. Et enfin, avec le gain réglé sur 10. Côté effet, voici une des trois versions du chorus, avec la tonalité et le gain à moitié. Nous allons tester à présent une des trois versions du délai avec les mêmes réglages de gain et de tonalité à moitié. Nous allons finir par entendre une des trois versions de la reverb avec les réglages préamplis inchangés.